Après avoir quitté l'atelier d'Alexandre Cabanel, Louis-Paul fait partie du cercle des proches du riche mécène biterrois Gustave Fayet. En 1887, il entreprend de voyager en Afrique du Nord dans la région de Biskra, où peintres et écrivains se rendent depuis plusieurs décennies à la recherche de sujets orientalistes. À l'arrière des cafés morts se trouve une salle où les hommes viennent fumer le kiff. Paul fonde d'abord la vraisemblance de la scène sur la clarté de la composition et la précision de son trait. Peintre voyageur, il se fait également ethnographe. Variant les types ethniques, il met un soin particulier dans le rendu des objets, nourri de souvenirs et corrigé par les esquisses. Mais les signes peints sur le mur, traités avec une grande sobriété chromatique, posent une limite à ce souci de fidélité. Paul transpose les peintures rupestres de la région et crée à partir de leurs caractéristiques formelles une main de Fatma imaginaire. Attraction et répulsion. Le public trouvait dans ce dénuement et cet archaïsme la confirmation de ses idées préconçues sur la paresse orientale, mais aussi, dans ses personnages sans regard, une étrange disposition à la rêverie.